Au sommet de cette nouvelle ère de l'image, le tatouage est de plus en plus prisé par des jeunes. À Douala, au Cameroun, on assiste à une véritable popularisation de cet art sur la peau humaine. Et les sollicitants sont nombreux au quotidien. Ils font de leur corps un accessoire de mode. Mon premier tatouage, je pense, je le fais peut-être en 98, un truc de ce genre. Ouais, je pense, si je me trompe. Donc, bon, je ne savais pas que ça devait devenir une mode. Mais si je l'ai fait, ça veut dire que j'apprécie. Et donc, si d'autres jeunes le font, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Et les motivations sont diverses. Je fais le tatouage parce que, tout d'abord, c'est mon dada, donc j'aime bien. J'aime bien le tatou. Pour une querelle de personnes, ça reste une manière de s'affirmer, une manière de représenter ce que l'on est ou alors ce que l'on veut être. Et je l'ai fait, je trouve ça bien et je trouve ça plus symbolique que la photo parce que ce que j'ai tatoué sur moi, ça représente beaucoup pour moi et ça ne me gêne pas du tout. Chaque dessin est un symbole. Les femmes en général aiment bien tatouer le bas du dos, en fait derrière là. Au niveau des traits des fesses, là, au niveau de la poitrine aussi, c'est un endroit assez féminin. Mais les hommes, en général, comme c'est plus viril, ça tatoue très souvent les bras. Oui, parce que c'est aussi un signe de virilité. Ça tatoue des endroits même spectaculaires. Ça peut tatouer, évidemment, le cou. Ça peut tatouer même carrément hein, tout le torse, le ventre même. Au-delà d'exposer la peau aux nombreuses maladies cutanées, le tatouage n'est pas toujours accepté dans la société. On expose sa vie lorsque on se fait tatouer. Il y a le cancer de la peau qui peut s'amener. C'est que dans les milieux professionnels, quand il s'agit de trouver un emploi, physiquement, quand vous vous tatouez, ça dit déjà quel genre de personne vous pouvez être. Donc, ce n'est pas bien. L'art du tatouage prend des proportions en Afrique et de nouveaux styles font régulièrement leur apparition.